Bonjour mes chers élèves, dans votre chaîne YouTube Français au lycée DZ. Voilà une nouvelle vidéo pour les bacheliers, suivez-nous. Aujourd'hui nous allons parler des types du texte historique. D'abord, le texte historique objectif. L'auteur de ce texte n'apparaît pas généralement dans le récit. Il s'efface au profit de l'événement. Le deuxième type, c'est le texte historique par témoignage. Ce texte est écrit par un témoin, d'un fait historique. Dans ce texte, le jeu de la narration apparaît explicitement. Le jeu, le texte, Damir, Anna, ou nous. Le troisième type, c'est l'analyse ou le commentaire d'un fait historique. Yani, tahlil wa ta'liq an hadath tarikhi. Dans la narration, s'insère l'argumentation. Fi hadha an-naw' tahdidan, nalqaw al-hijaj. L'historien commence par l'analyse du fait historique en fournissant des explications. Al-katib fi hadha an-nass يقدر يعطي الرأي تاعو أيضا. Il peut même donner son point de vue sur cet événement. يعني على هذا الحدث التاريخي وهو يعلق مد الرأي تاعو. ويقدر ثاني يضيف شهادة تاع شخص كان شاهد على هذا الحدث. Il peut insérer un court témoignage. هذه الشهادة تكون قصيرة في جملة أو جملتين باش يدعم الرأي تاعو. Merci pour votre attention, à la prochaine vidéo Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir.